Et les gens me revoient de là de retour. C'est juste pour une vidéo hyper rapide, c'est quoi? C'est que ce coup-ci, peut-être qu'il y en aura une deuxième dans l'après-midi un petit peu plus longue. J'étais en train de regarder un petit peu ce qui se passait un petit peu sur Internet pour moi, ok? Et je regarde un petit peu, je regardais un petit peu mon nombre de vues sur cette plateforme, quoi. En direct, en direct. Donc je vais sur SocialBled et je remarque l'une de mes dernières vidéos, Quoi de neuf 2023, qu'on m'explique numéro 2, est tombée maintenant à 3 vues. Je me dis, tiens, mais c'est curieux, il n'y avait pas 4 vues l'autre jour. Donc je vais sur mon portable, regarder la liste, voir un petit peu le nombre de vues, c'est toujours à 4. Je me dis, tiens, encore une fois, je suis en train d'assister au magouillage, à la magouille en direct. Voilà. Donc j'attends quelques minutes, je fais un rafraîchissement. Et comme par hasard, effectivement, sur le téléphone portable, le nombre de vues retombe à 3. Et en fait, ça a été plus rapide, entre guillemets. Au moment, probablement, ça se faisait au moment où je suis arrivé sur SocialBled pour regarder le nombre de vues sur ma chaîne. Ça s'est fait en direct. Et par rapport à mon téléphone, donc le téléphone sur lequel j'enregistre, il y avait un petit peu, il y a un petit peu de délai, quoi. C'est enregistré. Pour vous dire l'état des choses, alors, moi, je ne sais pas, les gens. Quand vous mettez de l'argent, vous donnez de l'argent à ces plateformes, moi, j'ai un problème. J'ai jamais donné de l'argent à cette plateforme. La seule personne où j'ai donné de l'argent, c'était Facebook. Je voulais voir et j'ai compris. J'ai vu des choses, j'ai compris et je me dis jamais plus. Je me dis que pour dépenser sur ces plateformes, il faut être cinglé, il faut être fêlé. Okay? Et généralement, moi, ce que je suis en train de comprendre et de découvrir, si je regarde ce qui se passe aux États-Unis, généralement, les grands. Je dirais les grands dépenseurs, je vais dire ça comme ça, c'était à la base des gens qui n'étaient pas très clairs. Donc vous, personne lambda, quand vous essayez, vous donnez de l'argent de sur ces plateformes pour vous promouvoir, en fait, vous faites en papayité profond. Encore une fois, c'est une forme d'extorsion de fonds. Il faut appeler un chat un chat, quoi. Faut appeler un chat un chat. Sur eBay, je vois. Je suis là depuis sur eBay depuis longtemps, très très longtemps. Quasiment, je crois que je fais partie des gens qui l'ont vu à sa naissance. Et je l'ai vu évoluer dans le temps. Sur cette plateforme, c'est flagrant que la plateforme manipule les ventes. C'est flagrant, c'est flagrant, c'est flagrant. Faut même pas avoir un docteur, hein. C'est flagrant. Quand vous, dans le temps, c'est flagrant. Et en plus de ça, ils ont le culot de vous envoyer des messages pour vous dire. Du genre pour vous culpabiliser, pour vous faire dire oui, mais c'est de votre faute la raison pour laquelle vous ne faites pas de vente parce que vous n'utilisez pas, vous dépensez pas beaucoup d'argent chez nous. Je crois que la dernière en date, donc je suis obligé pour essayer de vendre, je suis obligé de brader. Ok? Mais seulement la manière dont je brade, eux, ils ne gagnent pas de l'argent. Pour eux, ça, ils m'envoient des messages parce que c'est plus intéressant pour eux que je paye pour de la promotion pour que non seulement moi je perde de l'argent, mais qu'en même temps que je perds beaucoup d'argent, eux, ils en gagnent sur mon dos. Elles sont toutes pareilles. Même cette plateforme YouTube, c'est exactement la même chose. Okay. J'ai vu par ma musique, c'est quelque chose que j'ai compris, que j'ai vu en octobre de l'année dernière. Okay. Donc j'ai une chaîne parce que j'ai diffusé ma musique. Donc ils s'amusent avec le nombre de vues que j'ai sur la chaîne. En octobre dernier, j'ai remarqué que je gagnais de l'argent sur YouTube, mais mon compteur de vues n'avait pas bougé. Donc ce matin, je découvre. Donc j'ai vu en direct, okay, ils étaient en train de manipuler le nombre de vues sur ma chaîne et bien d'autres. Donc encore une fois, je vais vous le dire, hein, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, il faut aller voir les vidéos où je n'ai qu'une vue. Parce que probablement, à l'insu de mon plein gré, je vous dis des choses qui sont pas loin de la vérité. Vas-y, c'est bon pour moi. Je vous dis peut-être à cet après-midi, je verrai.